C'est la première fois qu'on fait une exposition comme ça. C'est qu'on est très proche de la mer, d'accord, mais on y va peut-être pas tout le temps. Et on croit connaître toutes les espèces marines. Et en fin de compte, non, parce qu'on va pouvoir découvrir avec des intervenants, on va pouvoir découvrir ce que c'est, comment on est un poisson, comment se développe un poisson, à quelle période, etc. etc. Pourquoi il faut protéger la mer Méditerranée et les océans. L'exposition, c'est Aquapassion, donc c'est une association qui existe depuis quelques années, qui est basée à La Ciotat. Nous, au Bossé, on l'a découverte quand on est allé au Nautical. Et j'ai trouvé que c'était ludique et pédagogique. Et j'ai trouvé ça intéressant et il fallait absolument qu'on la fasse au Bossé. C'est ouvert au public, donc à partir de ce matin jusqu'à mardi prochain. On ouvre exceptionnellement samedi après-midi pour cette exposition. Et effectivement, on va avoir 25 classes. 25 classes du Bossé qui vont venir participer avec les intervenants qui vont être là. Effectivement, associé à Aquapassion, passion pour les bassins. On a fait aussi une exposition de photographie méditerranéenne et d'océan. Et on a rajouté un petit plus avec une projection vidéo avec des films sur les poissons pour que l'exposition soit aboutie.